De retour pour la dernière partie de l'émission. Stéline fait tomber tout par terre. C'est normal, c'est pas grave. Ça fera plaisir à notre directeur technique. Gérard, vous fassiez tomber le chrono, tout va bien. On est toujours avec Stéline, avec Fleur. J'ai envie de dire, malheureusement, on les a gardés. Hein. Qu'est-ce que je vous dis, c'est comme ça, elle reste là, elle reste. Ils sont rentrés, elle reste. Il y a toujours Fanny qui est avec nous. Et Joa, on va s'intéresser à ce tout nouveau clip. J'en meurs. Ça, c'est nouveau titre. Hein. C'est nouveau titre. Nouveau clip et nouveau titre. J'essayais de parler jusqu'au bout de l'année 2017. Ouais. On va y arriver. Je pense, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde tout de suite un extrait. Vous allez comprendre, quand je dis qu'il va à New York, il va à New York, il plaisante pas, je vois. Moi, la musique, j'en meurs. Ça, c'était pour se donner envie. Joa, Jean meurt, on l'aura en live tout à l'heure. C'est pour ça que je ne laisse pas plus longtemps. Parce que allez voir l'intégralité du clip et on terminera cette émission avec Jean meurt en acoustique. Parce que vous êtes très doué aussi pour jouer juste avec une guitare et votre voix. Et je suis ravi que vous le refassiez une nouvelle fois sur ce plateau. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse votre portrait minute. Parce que vous l'aviez déjà eu, le portrait minute, dans l'émission. Mais il s'est passé tellement de choses depuis qu'on a décidé de le remettre à jour. D'accord. Et donc, vous revenez dans cette tradition du portrait minute. Découvrez la carrière de Joa. Tout de suite. Perdu dans l'univers. Jonathan Le Rock, alias Joa, commence la musique vers l'âge de 12 ans en prenant des cours de batterie. Ce rapport particulièrement physique à la musique lui apportera les bases du rythme. C'est vers 20 ans qu'il s'essaie à l'écriture de ses premiers textes et se met à la guitare en autodidacte pour la composition des musiques d'abord à deux cordes, puis à six cordes. À cette époque, il devient batteur pour des groupes, Hotel Pop Rock, Araman Reggae, Youkoff Rap, avec lesquels il sillonne la France et écume les salles de concert. Parallèlement, il commence une carrière solo sous le nom de John Dell, qui l'amènera à jouer dans les bars, la rue, le métro. Il se fait remarquer et passe en première partie de télé, Yael Naïm, San Severino ou bien encore Manny Hoffman, avec qui il noue une amitié humaine et artistique qui le guide dans sa carrière. Plus de saisons, plus de barrières, la lune à l'unisson nous éclaire, autour de nous l'océan se resserre. La réussite d'un crowdfunding sur Kiss Kiss Bang Bang lui permet de trouver les fonds pour financer son premier album. Elle lui permet aussi de faire de nouvelles rencontres, de découvrir de nouveaux milieux et John Dell se transforme peu à peu en Joa, fondamentalement bad boy, mais adouci d'élégance, de classe et empreint de romantisme. C'est à cette époque qu'il commence à voyager, découvrir le monde avec une prédilection pour New York, ses mélanges, son cosmopolitisme, qui au final lui ressemble tant et choisira cette ville pour tourner son troisième clip. Son premier album, Un aller pour deux, résume cette transformation. Enjoué à l'image de son créateur, l'album alterne des titres rythmés et entraînants et des ballades amoureuses orchestrales, plus douces et intimistes. Si l'amour reste son thème de prédilection, Joa y traite aussi de sujets plus graves comme la destruction d'une junkie dans Été 2003 ou de ses relations conflictuelles avec son père dans Hey John en duo avec Manny Hoffman. L'album entraîne l'auditeur dans un voyage électropop aux couleurs sonores variées et surprenantes. Pour son nouveau projet, 168 Street, Joa prend volontairement des sonorités, des rythmes et des codes plus urbains, à l'instar de son premier extrait, J'en meurs, décrivant sa passion pour la musique. Mon cœur, la musique Et à la fin de ce portrait minute, on parle du nouveau projet. C'est quoi ce nouveau projet, Joa ?
Le nouveau projet, donc, on vient d'en parler, donc du clip et donc le nouveau single qui va sortir dans très peu de temps. On espère début 2018. Et pourquoi est allé à New York pour filmer ce clip? Et pas que, parce que vous êtes allé là-bas, vous avez chanté avec des artistes sur place. C'était pas juste pour filmer le clip, quoi. En fait, je suis allé à New York au mois de mars pour faire quelques repérages déjà. Et je suis tombé amoureux de cette ville, en fait. C'est vraiment une ville de musiciens. Et les endroits, c'est que des cartes postales partout. Donc j'avais vraiment envie d'aller tourner un clip là-bas. Et j'en ai parlé donc avec mon réalisateur qui s'appelle Mathias Dauphin. Je le cite à chaque fois parce que c'est il faut. Il fait un travail à chaque fois extraordinaire et on s'entend bien. Et du coup, il m'a dit je suis partant et on est parti. Lui, il revenait de Los Angeles déjà sur un autre projet, sur un autre clip. Et deux semaines après, je l'embarquais pour New York. Bon, il y a pire comme vie. Oh là là, je rentre de Los Angeles, faut que je reparte à New York. Pour lui, tout va bien. Mathias, c'est malheureux, tout ça. Ouais, non, voilà, ça va. Quoi. C'est tranquille. Okay, alors, comment vous avez fait pour. Moi, j'ai une petite question, mais pour tourner à New York, vous avez fait ça à l'arrache ou vous avez fait ça comme. Mis sur le loin, on peut le dire, mais. Parce que pour tourner dans la ville, tout pas. Ça. Alors, pas à l'arrache, parce que. Enfin, il y a eu quelques moments où il faut, de toute façon, faire à l'arrache, parce que les clips, c'est comme ça. Mais on a eu beaucoup de préparation. Moi, donc, j'ai fait du repérage dans les rues où je voulais déjà tourner, notamment à Times Square, par exemple, où je trouve ça vraiment magique pour sa lumière. Vous avez repéré les lieux où vous souhaitiez tourner. Ouais, c'est ça, voilà. Et finalement, arrivé sur place avec Mathias, on a fait 80% de ce qu'on avait écrit. Et le reste, ouais, en autodidacte, on va dire. Et les plans de vue là, aériennes, c'est comment? C'est lui qui les a faits ou vous avez récupéré? Mathias a de la chance d'avoir des connaissances sur New York. Ah oui, sympa. Et on a eu la chance de rencontrer des équipes pour les drones. Donc, ouais, ça a été. Parce que du coup, là, il y a de tout. Enfin, regardez le clip en entier, bien évidemment. Mais enfin, voilà, il y a des images de drones au-dessus de New York. Ouais, c'est juste magique. C'est un plein d'endroits. C'est juste magique. Et c'est vrai qu'on a eu cette chance. Mathias a vraiment pas mal de contacts sur New York. Et il me les avait cachés d'ailleurs. Et non, je suis super content. Et ouais, ces images de drone, elles sont juste, ça rapporte vraiment au clip. On voulait montrer New York, quoi, tout simplement. Et du coup, par rapport au message que vous vouliez faire passer dans cette, c'est Rocky là. Je vous ai vu, hein, mais c'est au bon endroit ou pas? On a fait une infidélité à New York. On est parti une journée sur Philadelphie. Ah oui, ce que je vous ai dit, c'est pas à New York. J'avais envie, en fait, comme la chanson J'en meurs, elle parle vraiment d'un combat de la musique de tous les jours. Et quoi de mieux qu'aller à Philadelphie et puis d'aller sur les marches de Rocky Balboa. Plus c'est un film, je pense, qui a touché. Oui, puis c'est le kiff en plus d'y aller là-bas. Et puis c'est quoi. Le kiff, hein, vraiment, voilà. C'était juste magique. Ça fait des frissons de partout quand on va là-bas. Parce qu'on se rappelle évidemment quand on est gamin et qu'on regarde tous les Rocky. Et puis, ouais, c'était une. Je voulais faire cette espèce de métaphore avec le titre J'en meurs. Oui, parce que cette chanson, c'est ça. Hein, c'est cette impossibilité de faire autrement que de la musique, c'est ça? C'est ça, oui, c'est ça. C'est que moi, la musique, c'est vraiment toute ma vie. Et pour la petite anecdote, en fait, un soir, j'étais avec Manny Hoffman, donc, en web. Et puis, on se parlait de nos vies un petit peu. Il me demandait la musique, où tu en es, machin. Et je lui ai dit que, moi, la musique, pour l'instant, j'en meurs. J'en vis pas, comme d'autres en font ailleurs, quoi. Et au final, le soir, je suis allé en studio. Ça m'a donné plein d'idées. J'ai écrit le titre, j'ai écrit la musique. Et on partait à New York... peu de temps après, pour aller faire le clip. Alors, je vois le temps passer, on va être bientôt à la bourre avant de terminer avec le live. Ouais. Du coup, c'est quoi les idées pour 2018, là? Est-ce qu'il y aura un titre, deux titres, un album? 2018, c'est quoi, il y aura un single, ça c'est sûr et certain. On n'a pas encore réfléchi réellement sur le nombre de titres qu'il y aura dessus. Parce que je vois sur votre Facebook, là, il y a des enregistrements, il y a du travail, il y a tout ça. J'arrête pas de travailler, enfin, on n'arrête pas parce qu'il y a une équipe derrière moi. Il y a aussi, je vais la citer parce que, voilà, elle n'est pas loin de moi, mais Lynn Briard, qui est ma manageuse et qui fait un travail énorme. Parce qu'il faut me supporter déjà. Ça, c'est très compliqué. Je dis oui, en plus, on voit filmer tableau. Oui. Jean-Christophe confirme, donc tout va bien. Et puis, il y a toute une équipe aussi, Elodie Barré, il y a Lauriane Blossier, il y a Mathias Le Dauphin, je le répète. Mais... Donc voilà, je suis bien entouré, et puis dans les moments forts comme dans les moments faibles. Donc, c'est très important d'être soutenu. Et pour la suite, à partir de 2018, donc avec Lynn, justement, on part sur Paris. On a des rendez-vous pro
Voilà, on va avoir quelques rendez-vous pro. Il y aura des dates de concert aussi qui vont arriver. Donc, on fera une émission pour les dates. Et puis, avec grand plaisir. Voilà, vous étiez en plus l'année dernière avec Céline. Ouais. Céline, enfin, tu te souviens, parce que je vais y arriver. Je vais pas y arriver. Hein. 2017, je vais pas y arriver. Avec ce Il n'y a plus qu'à faire son show, vous étiez présent avec nous. Oui, ouais, sur la chaîne. Ouais. C'était l'année dernière. Ça fait déjà un an. Voilà, on est plus modeste là ce soir. On est plus tranquillou. Mais on avait fait cette belle émission avec vous. Ça fait déjà un an. Sur la chaîne des Saulnières. C'était un très bon moment d'ailleurs. Exactement. À refaire. On peut terminer avec un live, Joa, comme ça on termine cette émission et surtout cette année de Y'a plus qu'à, année civile, si je puis dire, avec vous et avec Jean Meur. Je me permets. Hein. Et voilà, on termine cette année avec un live et ça me fait bien plaisir. C'est à vous. En tout cas, avant de faire ce live, je voulais te remercier une fois de plus, ton équipe, de m'inviter, parce que t'es présent depuis le début. Et, on vient une fois après revenir. Quand vous avez de l'actu, vous revenez maintenant. Je vous appelle. Fanny. Exactement, c'est comme ça que ça se passe. Tu seras là toute la semaine à peu près. Non, mais ça ne me dérange pas, je suis à côté pour l'instant, j'ai du temps. Donc... Non, mais c'est important de le dire, parce que... Laisse-la entrer dans tes veines, laisse-la couler dans ton corps. Puiser tes joies et tes peines pour que ton âme reflète l'or. Livre-toi sans problème à ces effets d'ivresse et alors. S'ouvre à toi le plus beau dilemme, le pire et le meilleur jusqu'à l'aurore. Moi la musique j'en meurs, pendant que d'autres en vivent ailleurs. Moi la musique j'en meurs, ces mélodies qui se déversent le long de mon cœur. Laisse-la sortir de tes cordes, laisse-la vibrer au creux de ta voix. Ces ondes t'inondent et débordent, mais elles te rattrapent, ton destin est là. Porte-la comme ton emblème, quand l'encre versée raconte ton histoire. Elle te guide pour que les gens t'aiment, pour que tu ne sois plus l'ombre de toi. Moi la musique j'en meurs, pendant que d'autres en vivent ailleurs. Moi la musique j'en meurs, ces mélodies qui se déversent le long de mon cœur. Et quand vient le moment, laisse-la t'envahir. Elle fera de toi cet homme qui jamais ne renoncera. Moi, la musique, j'en meurs. La musique, j'en meurs. Moi, la musique, j'en meurs. Moi, la musique, j'en meurs. Ces mélodies qui se déversent le long de mon cœur. La musique, j'en meurs.
Bravo, merci Joa de nous avoir offert ce live pour terminer cette émission. Je vais vous souhaiter un bon anniversaire, mon cher Joa, parce qu'on enregistre cette émission le jour de notre anniversaire. C'est ça, voilà. Exactement, c'est et puis mignon, je vais m'auto-souhaiter un bon anniversaire parce que moi c'était hier, à un moment de la diffusion. Voilà, parce qu'on a un point commun, on a le même âge, ouais. Et on est à quelques jours, on est à quelques jours, mon cher Joa. Toi aussi, t'as 25 ans? Exactement, comme okay, toi. Ouais, exactement. Bien aussi, c'est bizarre. Mais c'est ça, on est le même âge. On est impeccable. Merci Fanny, bien sûr. Merci aux chroniqueuses. Je vais profiter avant de raccrocher et de vous dire au revoir sur LMTV pour remercier mes équipes, évidemment les chroniqueurs, Fleur, Céline ce soir, mais aussi Mathieu Chéneau, Guillaume Moreau. Qu'est-ce que j'oublie, Matt, bien sûr, de la sélection comics. Il y aura de belles surprises parce qu'il y en a des nouveaux qui arrivent en 2018. Je vais remercier aussi parce qu'on les voit au générique à la fin, mais je le fais au moins deux fois par an. C'est toutes les équipes techniques qui sont derrière. Perrine, Étienne, Gérard, Étienne, je vais essayer de pas écorcher son prénom, Étienne, voilà, Warren à la diffusion, les stagiaires qui sont là aussi et qui font tourner la boutique, merci à vous, merci à Pascal Brunon, bien évidemment, on revient en 2018, ça sera le 13 janvier, merci à tous, ce que j'aimerais c'est qu'on applaudisse s'il vous plaît, que ce soit mes invités qui pour une fois applaudissent les chroniqueurs et les équipes techniques qui sont derrière, merci, on va remercier un peu l'amateur, bravo à vous qui êtes derrière cette caméra, merci de votre fidélité et je vous dis à l'année prochaine, ciao.